Ouais, je bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. J'espère que vous allez tous très très bien. En tout cas, moi, ça va. Merci de demander. Tout le monde a vu cette photo qui a fait le tour des réseaux sociaux. Arrête de faire genre. Oui, Kylian Mbappé qui regarde une femme et qui est impressionné par sa beauté. Et mesdames et messieurs, les réseaux sociaux, c'est un truc de malade parce que ils ont réussi à retrouver cette fille qui est de dos. Et maintenant, cette fille qui avait 1000 abonnés se retrouve avec plus de 70 000 abonnés. Donc, Kylian Mbappé regarde une femme, cette femme devient une star. Tu te rends compte? Hein? Mais Kylian Mbappé, tu veux pas regarder mon spectacle? Hein? Il y a plein de choses que tu pourrais regarder et puis les gens pourraient s'y intéresser. Hein? Tu veux pas regarder les clochards dans la rue? Regarde un petit peu tout, tu peux sauver le monde, c'est incroyable! Juste avec un regard, tu changes la vie des gens! Oh là 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 là! Viens regarder mon spectacle. Viens! Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux pas regarder le petit Fuji Sissoko? Hein? Tu veux pas me voir dans une petite Lamborghini? Dans un petit yacht? Hein? Un tout petit yacht comme ça, juste pour Fuji Sissoko? Juste tu me regardes comme ça, juste tu me regardes juste comme ça. Et voilà! C'est quoi ça? Dans quel monde on est en train de vivre? Donc là, le fait que Kylian Mbappé trouve cette fille jolie, donc là, on a toutes les marques qui vont venir s'agglutiner sur elle et puis lui dire, voilà, tiens, tu pourrais mettre ci, ça, ça, voilà, donc toi, t'es vraiment belle, hein, franchement, on t'avait pas remarqué, hein, franchement, il a fallu que ce soit qui dit, et là, Kylian, est-ce qu'il va toucher de l'argent sur ce qu'elle va toucher? Hein? C'est quoi ce délire là? Alors que moi, si tu viens à mon spectacle, on peut s'arranger, tu vois, voilà. En tout cas, là, on voit qu'on est dans une époque de malade, hein. Franchement, c'est un truc de fou. Mais c'est aussi marrant, parce que en vérité, ça fait parler de malade. Hein. Regardez, moi, je suis là en train de faire ma vidéo, parce que Kylian Mbappé a regardé une femme, hein, ce qui est totalement normal. Et on est là tous en train de s'exciter. Oh, il a trouvé une femme jolie. Oh, on est tous devenus fous. Moi y compris, hein. Regarde, ouais, c'est un fou qui te parle. Ouais, t'écoutes un fou, oui, par rapport à ce truc absolument banal, mais qui apparemment fait le tour du monde. Oh là là, même en Chine, ça parle de ça. Je te jure, dans toutes les langues. Oh là là, dans toutes les langues. C'est n'importe quoi. Franchement, on vit dans une époque où, ben voilà, hein, en tout cas, venez à mon spectacle. Hein. Tout est toxique. Vous avez vu? Voilà. Donc, vous venez à mon spectacle, c'est tous les vendredis, 21 h. Là, il reste que 2 vendredis. Après, j'arrête de vous saouler avec tout ça. Tu vois, tu viens vendredi, là. Il y a un autre vendredi, c'est le 31 mai. Terminé, on parle plus de mon spectacle. Tu comprends ce que je suis en train d'expliquer? Donc là, il y a le 24 mai 2024. Oh là là, 24-05-2024. Je vous attends à 21 h. Et le 31, et après, fini de la saison.